Parler de Philippe. Ça Seguin. sera un des enjeux de l'élection de -ce 2022. C'est-à-dire que vous revenez aussi à votre ancienne famille gaulliste, à cette fibre républicaine. On rappelle qu'en 2017, vous aviez appelé à voter Marine Le Pen. Vous êtes rallié aussi à ses troupes au, au second tour. Manifestement, l'union fut de courte durée. Et dans les rangs même du Rassemblement National aujourd'hui à Perpignan, certains militants se sont demandé à quoi vous jouez, Nicolas dupont -Aignan. Mais je crois que personne n'a compris, ou je pense que les Français ont très bien compris, les Français au deuxième tour de l'élection présidentielle avaient un choix à faire entre Macron et Le Pen. Mmh. Moi, j'ai osé le faire, parce que je voulais pas de Macron, et on a vu le résultat. Pour autant, j'ai jamais dit que euh, j'étais euh, marié avec Marine Le Pen, et on a vu qu'elle n'était pas capable de gagner. Euh, elle n'est pas candidate à répétition de droit divin. Mais ça a déçu on a beaucoup le droit. de militants à l'époque. Bah, Peut-être ces militants, mais moi je m'adresse aux Français, et je m'adresse aux Français de droite et de gauche, parce que je suis gaulliste et je n'ai jamais cessé de l'être. Euh, je crois qu'on peut redresser le pays. Je crois qu'on a un pays extraordinaire, mais à condition que les Français se relèvent. Et pour qu'ils se relèvent, il faut que leur vote compte, il faut qu'on les consulte, qu'on les respecte. Euh, c'est l'essentiel. Et c'est ce que je veux défendre. Je veux rendre le pouvoir aux Français. C'est le, 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 la cause de ma campagne présidentielle. Et je suis convaincu euh, que je peux être la surprise de cette élection. Nicolas